Et si Winnie l'ourson n'avait plus de miel, qu'est-ce qui se passerait? Bah, c'est ce que j'ai imaginé pour la prochaine BD de la petite main. Dans la forêt des rêves bleus, les peluches du petit Jean-Christophe prennent vie. Il y a Winnie l'ourson et le tigre tigrou. Mais depuis quelques mois, il n'y a plus de nourriture, plus de miel, plus rien. Les animaux ont faim. Porcinet a été mangé en méchoui par Winnie. Coco Lapin a fini en civet. Alors, quand Jean-Christophe vient rendre visite à ses amis animaux, il retrouve le squelette de Maître Hibou baignant dans son sang. Il prend peur et décide de rentrer chez lui en courant. Mais la porte de la maison de Winnie se referme. Winnie et tigrou lui barrent la route. Jean-Christophe recule et tombe dans une marmite fumante qui contient la tête de bourriquet. Jean-Christophe hurle de peur. Mais il n'a pas le temps. Les deux peluches se jettent sur l'enfant pour le manger. Et manger des enfants, c'est ce que les tigres font le mieux. Ouhouhou.